space. The final hit. Vous en avez marre des tourelles automatiques impossibles à détruire? Bon vas-y là, ça fait depuis le début de la partie que je me fais enchaîner, donc là, c'est bon, je vais la détruire, facile. What? Bon, de toute façon dans la vie, faut être rusé, faut être furtif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien passer sur les côtés, comme ça elle pourra pas m'avoir, voilà, parfait. Voilà, bon, oui, non, putain de tourelle, fais chier. Découvrez dès maintenant la nouvelle technique révolutionnaire pour éviter ces conneries qui vous pourrissent la vie. Salut à tous, c'est Jessora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce donc sur Black Ops 2. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment être invincible donc aux tourelles automatiques. Alors donc tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un tomahawk ou d'une charge électrique, donc ça marche avec les deux équipements. Ensuite, vous devrez donc le prendre, le ou la prendre, vous pointez votre viseur au maximum vers le bas, donc en vous tournant vers le sol, et c'est tout. Voilà, donc c'est tout. Donc en fait, la technique, ça va faire que la hitbox, enfin votre hitbox, va être telle, elle va être trop basse pour que la toile automatique ne puisse l'atteindre. Donc bah, la toile sera incapable de vous toucher et vous ne prendrez aucun dégât. Donc là je vous ai mis à chaque fois une vue à la première et à la troisième personne, donc sur deux maps différentes pour bien vous montrer que ça marche pas que sur studio. Et donc par contre il y a autre chose que vous devez faire, c'est de ne jamais être de front par rapport à la toile, donc jamais être de face par rapport à elle. Donc les plus attentifs l'ont remarqué, dès que je me mets de face je me fais toucher. Donc surtout évitez de faire ça, donc vous n'avez pas besoin de bouger, vous pouvez être statique, mais de toute façon cette astuce je vous la fais, enfin je vous fais cette vidéo pour comme ça vous pouvez passer derrière les tourelles et les détruire donc très facilement avec un CK tout simplement avec vos balles. Donc en tout cas je vais envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires, à savoir CodeCF, La Play Geek TV et Le Bon Plan du Geek. Donc je les remercie grandement s'ils me clonent. Et moi bah j'espère que cette astuce vous sera utile et puis que la vidéo vous aura fait quand même un peu rire parce que j'ai essayé d'être à peu près marrant. Et bah si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Jessora.